Nuage rouge, ours fidèle, vous avez été très courageux. Vous avez mangé une chenille géante, volé un œuf dans le nid de l'aigle noir et enlevé tous les tiques des coyotes. Vous avez réussi toutes les épreuves. Ours fidèle, je te nomme guerrier de notre tribu. Oui. Sage-esprit, et moi? Désolé, nuage rouge. J'ai invoqué le grand Manitou et... Quoi? Il veut te soumettre à une autre épreuve. Quoi? Encore une autre épreuve? Oui, et cette fois-ci, tu dois conquérir le cœur d'une fille. Hein? Mon pauvre. Le cœur d'une fille? Le cœur d'une fille? Il s'agit de Plume Sauvage, la fille de notre chef aigle courageux. Oh non, sage-esprit, pitié, je veux passer une autre épreuve. Assez, c'est la volonté du grand Manitou. Avec de l'or, on attire facilement deux sortes de gens. Les bandits et les filles. Ah, tu sais, David, je vais pas passer le restant de mes jours dans cette mine d'or. Je vais bientôt ouvrir ma propre usine de gin. Et où as-tu trouvé de l'argent pour ouvrir cette usine? Ah, tu sais, ça fait longtemps que j'économise. Oui. Wow, regarde, c'est de la poudre magique. Tu peux faire exploser des rochers avec cette poudre. Oh. Je vais jeter un coup d'œil. Allez. Salut les gars, la mine d'or est à nous. Oui. Ours fidèle, regarde. Une pépite d'or géante. Si je l'offre à Plume Sauvage, elle sera impressionnée. Il y a plein de poudre magique. Ours fidèle, viens. Oui, attends. Il semble qu'on ait besoin du feu. Ours fidèle. Ce truc, c'est incroyable. Fou. Pourquoi Plume Sauvage était la fille de notre chef aigle courageux? Sois courageux, mon frère. Salutations, chef aigle courageux. J'apporte un cadeau pour Plume Sauvage. Un cadeau pour moi? Vas-y, nuage rouge. Plume Sauvage, à mes yeux, tu es aussi belle que cette pépite d'or. Tu dis que je suis aussi belle que cette pierre? Tu es fou! Elle a le caractère de son père, aigle courageux. Bon, passons au plan B. Ils n'ont pas l'air commodes. Peut-être, mais ils nous obéiront grâce à la pépite d'or. Obéis à mes ordres. Un point, c'est tout. Mais... Oh, regardez qui sont nos invités. Surpris. Deux enfants indiens inconscients. Salut, les bandits. Les mains en l'air. Pouvez-vous me donner une bonne raison de ne pas tirer sur vous, hein? Voici la raison. Une grande pépite d'or. Quoi? De l'or? Oui, et je vous en donne une deuxième si vous suivez mon plan. Qu'on prépare un festin royal pour accueillir nos nouveaux amis! Ouais! Alors voici mon plan. Chaque jour, Plume Sauvage se promène près des frontières. Oui. Dès que vous la voyez, vous simulez une attaque. Ouais, ça me va. Et là, j'entre en jeu pour la sauver en vous attaquant avec mon tomahawk et vous prenez la fuite. Yeah!
Rusé comme tu es, tu pourrais même faire partie de notre bande. À vos tours. Alors. Elle pensera que tu seras le guerrier le plus courageux du monde. Ah, voilà les bandits. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi tranquille. Je m'appelle ici, votre amie. Voilà, donc, merci. Allez, faites-lui voir. Bravo, son ami. Si vous perdez contre votre méfait, vous arriverez pas au bout. La partie ne fait que commencer. S'ils arrivent. Oh non, c'est encore eux. Ça fait partie du plan. Allons-y. C'est la cavalerie. Oh, allez, c'est la cavalerie. Yeah. Hé, ma petite, approchette du taureau. Voilà le taureau tout d'un coup, hein. Oh, par le grand Manitou, que font-ils ici? Mademoiselle, vous êtes entrée sur le territoire des États-Unis d'Amérique illégalement. Vous êtes en état d'arrestation. Mais vous avez vu que j'étais poursuivie par des bandits. Gardez votre calme. Vous effrayez mon cheval. Mais laissez-moi partir. Hé, Arthur, tu nous ramènes une invitée. C'est une prisonnière. Elle est entrée sur notre territoire sans autorisation. Bienvenue au grand fort. Laissez-moi. Oh, s'il touche à un seul cheveu de plume sauvage, je vais aller. Aigle courageux ne nous épargnera pas. Hein? Ours fidèle, que veux-tu faire avec cette poudre magique? Et toi, pourquoi tu ramènes un castor? Pour ça, allez, ronge mon petit castor. Nuage rouge, viens. Psst. Je suis ici. Voyons qui nous avons attrapés. Ne bouge pas. Pose le tomahawk par terre. Doucement. Bon, d'accord. Oh non, ils ont capturé Nuage rouge. Je vais le délivrer. À la terre. Plume sauvage ne craint rien, je suis là. Mais je n'ai pas peur. Géronimo. Vite, par là. Nuage rouge. Tu n'as pas réussi à conquérir le cœur de Plume sauvage. Oui, ce n'est pas facile. Mais je vais quand même te nommer guerrier de notre tribu. Hein? Mais sage esprit, comment est-ce possible? Hier, le grand Manitou m'a convoqué. Hein? Il a pris une sage décision. Il faut que toi et Coyote Rusé soient nommés guerriers au plus vite avant que vous ne fassiez plus de bêtises. Oh, 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 oh.